National d'information sur l'accès au logement, qu'est-ce que la préfecture met en place pour les personnes sans abri? Alors, ce que nous souhaitions souligner, c'est l'extraordinaire mobilisation du tissu associatif, des associations, pour la mise en place de solutions extrêmement diversifiées d'accueil des personnes vulnérables, à la fois dans un parcours qui commence par l'hébergement et qui se termine par le logement. Ici, on est en face de solutions où les gens qui sont pris en charge à la suite d'un parcours parfois très difficile sont logés, pas seulement hébergés, mais logés. Alors voilà, on a deux axes. On a l'hébergement longue durée dont on vient de parler. On a aussi l'hébergement d'urgence. Et vous avez pensé à solutionner ce petit problème de sureffectif qu'on a eu l'année dernière? Alors, l'an dernier, nous avions une situation difficile puisque nous avions à la fois des conditions climatiques dures, mais aussi un afflux de demandeurs d'asile. Nous avons un niveau d'accueil de demandeurs d'asile qui reste important, mais nous ne sommes plus confrontés au même flux que l'an dernier. Et puis, nous nous sommes organisés. Comment? Nous sommes organisés parce que nous avons eu des moyens supplémentaires pour l'accueil de ces demandeurs d'asile, et important. Et le tissu associatif, les collectivités locales, conseil général, agglomération, mais pas seulement d'Angers, aussi à l'extérieur, Cholet, Saumur, Segré, nous ont aidés, les bailleurs sociaux nous ont aidés à mettre en place des formules de prise en charge supplémentaires. Le tissu associatif a été relativement imaginatif, c'est-à-dire qu'à la différence de ce que font les autres départements, nous n'accueillons pas ces publics vulnérables à l'hôtel. Nous avons, avec les bailleurs sociaux, mis au point des formules de baux glissants, formules de prise en charge en logement temporaire, qui nous ont permis d'augmenter notre capacité d'accueil et aujourd'hui d'être dans une situation où nous pouvons éviter que les publics classiques que nous sommes amenés à prendre en charge pendant ces périodes, les sans domicile fixe, pour appeler un chat un chat, ne soient pas évincés, soit de la prise en charge du logement, soit de l'aide alimentaire ou des formules d'encadrement médico-psychologique. D'accord. En place d'hébergement d'urgence, on a combien à peu près? On a vraisemblablement, si on additionne tout ce dont nous disposons, c'est-à-dire nous avons la capacité de mobiliser environ 800 places. Mais quand je dis ça, j'additionne des choux et des carottes. D'accord. Sur l'accueil de jour, on va ouvrir une nouvelle structure? Alors, c'est une des difficultés que nous avions eues l'an dernier. La ville d'Angers avait mis en place un accueil de jour qui très vite avait été saturé. Cette année, nous souhaitons qu'à côté de l'accueil de jour d'Angers, qui sera maintenu, il y ait un accueil de jour financé par l'État, mais pris en charge par une association, et qui, pas loin, rue de Crimée, offrira des possibilités de petit déjeuner, prise en charge médicale si c'était nécessaire, et qui complétera ce que la ville d'Angers a. D'accord. Et puis on va également faire en sorte que les associations s'organisent entre elles pour éviter que certaines soient débordées. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être fier et qui renvoie à la qualité du tissu associatif, à l'engagement des bénévoles sur le Maine-et-Loire. Nous allons mettre en place un service d'accueil, d'information et d'orientation, c'est-à-dire une formule qui nous permettra de coordonner les possibilités multiples de logement, d'hébergement, quel que soit le statut de ceux qui les mettent à disposition, associations, collectivités locales, bailleurs sociaux, et en même temps une identification des besoins de la personne en situation de difficulté. C'est-à-dire que nous pourrons, à un cas de figure, faire correspondre une possibilité de prise en charge, logement, accompagnement social, le cas échéant, vers l'emploi. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous pensons que nous serons prêts pour le 1er décembre. D'accord. Tout ça par convention entre les associations, et vous avez bon espoir qu'elles s'accordent entre elles. Et j'ai bon espoir qu'elles s'accordent entre elles. Et notamment, nous prolongerons cette formule du SIAO par une convention avec l'ensemble des associations ou les principales associations qui s'occupent d'aide alimentaire. SIAO, vous me rappelez le sens? Service d'accueil, d'information et d'orientation. Je ne mets pas l'acronyme dans le bon ordre, mais c'est à peu près ça. D'accord. Merci. Merci à vous.